Bienvenue dans mon entrée. Ici, ce que vous voyez, la grande tour là, c'est un meuble à chaussures que j'ai réalisé en carton il y a quelques années déjà. Et du coup, voilà, j'ai plein de rangements. Alors, si vous avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai une toute petite entrée qui fait 1m15 par 1m15 qui me permet juste de passer. Donc, j'ai dû optimiser un maximum la place pour pouvoir ranger un maximum de chaussures. Et pouvoir toutes les conserver ici plutôt que devoir les descendre à la cave et prendre le risque qu'elles moisissent. Je vous fais un petit topo sur ma tour de rangement de chaussures. En fait, si vous voyez, y a des cases de hauteur différentes parce que forcément, j'ai des bottes, j'ai des tongs. Les tongs, ça passe impeccable à cet endroit-là. Quand j'ai réalisé cette tour de rangement, je l'avais conçue de manière à ce qu'elle soit réversible. Parce qu'en fait, il y a des chaussures qu'on va utiliser plus souvent à certaines périodes de l'année. Par exemple, les petites chaussures, elles sont parfaites pour l'été. Puis les chaussures d'hiver, en général, ça prend plus de temps. Donc, l'idée, c'était de pouvoir retourner ce meuble quand j'en ai besoin, suivant la période de l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour que je vous présente le meuble qui est derrière moi. À bientôt, bye bye!